MFM في قلب الجالية المغربية المغاربية والعربية. هاد اللقاء ديال اليوم، هاد المبادرة اللي كانت الأولى من نوعها لاستقبال الطلبة المغاربة الوافدين على الكيبيك وعلى كندا. هاد المبادرة تتندرج في سياق خطة العمل ديال القنصلية ديال هاد السنة، تتندرج في إطار سياسة الانفتاح والقرب من المواطنين اللي نهجتها دائما القنصلية، وتتندرج كذلك في إطار التعليمات السامية لصاحب الجلالة اللي يعطي التعليمات ديالو دائما في الخطابات ديالو كلهم، أولا للشباب ولرعاية الشباب، ثانيا للحكمة الجيدة وللقرب من المواطنين. هذه المبادرة كانت عندها بعدين، البعد الاجتماعي، عندها البعد الاجتماعي الأول هو أنه هاد الوافدين، هاد الطلبة الجدد الوافدين على كندا، كنا رحبنا بهم بالطريقة المغربية، وكان ترحاب من طرف الرسميين ديال الهيئات التعليمية، المجتمع المدني، المؤسسات المغربية، إذا كان على الطريقة المغربية. البعد الثاني هو البعد الإداري، وعملنا على إمداد هاد الطلبة بجميع المعلومات اللي تتعلق بالشأن الطلابي واللي تتعلق بالشأن الإداري. الميزه الاولى هو انه كان اللقاء ديالهم مع الهيئات التعليميه ديال المدارس فين تيقراو، والميزه الثانيه هي انهم قدروا يعرفوا هذه القنصليه ويتعرفوا عليها. بصفه عامه انا فخوره بالتواجد الكثيف المكثف ديال الطلبه، ديال الاساتذه الجامعيين، وديال ديال ممثلي الهيئات التدريسيه، وهذا تيتيح لنا الفرصه باش نتعرفوا عليهم اكثر، وباش نتعرفوا على الجغرافيا الطلابيه هنايا في الكيبيك. وهذا ما يمكن له يعمل الا على توطيد العلاقات الثنائيه ما بين المغرب وكينيك والكيبيك وكندا، فيما يتعلق في مجال التعليم العالي، في مجال البحث العلمي الى غير ذلك. اول حاجه خصهم يعملوا هي انهم خصهم يسجلوا في القنصليه، فالتسجيل في القنصليه واجب، وانا قلتها لهم، لانه الا كان عندهم شي مشكل من بعد غادي صعب باش نحلوه. الا كانوا مسجلين في القنصليه غادي يكون الولوج الملف ديالهم سهل، وبالتالي اي حاجه طلبوها في الاداره يمكن لهم يستخرجوها بطريقه سهله. Marocaine de Montréal. Donc, c'est toujours un plaisir d'assister aux événements organisés par le Consulat général du Maroc à Montréal. Et bien sûr, être accueilli dans ce magnifique endroit qui est la Maison des Marocains à Montréal. C'est très significatif, c'est très important. Et le Consulat organisé, il a eu une excellente idée d'organiser un accueil des étudiants marocains, des nouveaux étudiants qui arrivent à Montréal. Et je suis très, très fière et très contente de voir cet accueil extraordinaire. Donc, les étudiants, ils ont eu des bons conseils, ils ont eu des informations intéressantes qui ont été données par des différentes universités où ils vont accueillir. Et puis, j'ai représenté avec fierté la ville de Montréal, une ville de vivre ensemble, une ville accueillante, une ville qui se démarque à travers les universités de qualité et à travers la qualité de vie. Donc je souhaite bonne chance aux nouveaux étudiants qui arrivent à Montréal. Bienvenue chez nous. Je suis Bilgassem Rahmani,
j'enseigne à HEC Montréal aux affaires internationales et je suis le responsable de l'option baccalauréat au sein de mon service, le service des affaires internationales à HEC Montréal. Je crois que cette initiative-là est une excellente initiative à la fois pour les parents comme pour les élèves. Ça donne des indications. Plusieurs universités sont présentes et donc ça donne des indications pour l'étudiante et l'étudiant. Vous savez, hein, nos jeunes sont moins matures, il faut dire la vérité, hein, les jeunes sont moins matures que les Nord-Américains ou que les Canadiens. Et donc le fait de pouvoir leur dire comment ça fonctionne pourrait les aider à mieux se ressaisir dès le début et arriver avec un cheminement dans le temps, avec un diplôme qui, je l'espère, va leur servir pour l'avenir. Professeur à l'Université du Québec à Rimouski, campus de Lévis. Donc je tiens vraiment à manifester toute ma satisfaction à participer à cette rencontre qui a été initiée par le consulat du Maroc à Montréal. Je trouve que les étudiants et étudiantes marocains qui sont ici sont chanceux de pouvoir échanger avec des professeurs de toutes les universités représentées, mais échanger aussi avec des personnes qui étaient là avant eux, ici il y a une vingtaine d'années, ou 25 ans, ou 10 ans. Tous ces échanges-là sont fructueux. Ces échanges vont permettre à ces étudiants de connaître un peu le système éducatif ici, de connaître aussi les particularités du système québécois, mais aussi notre rôle, c'est de les encourager et de leur dire qu'ici, on peut avancer, on peut réussir. Il faut aussi frapper aux portes, il faut se réseauter, il faut aussi aller chercher l'information, il ne faut pas rester renfermé. Donc c'est vraiment le fait de rester enfermé qui pourrait leur paraître insupportable. Parce que ici, c'est une société ouverte. Pour vivre ensemble, ici, il faut donner et recevoir. Donc, moi, je mets toujours l'accent sur la double culture. C'est-à-dire qu'ici, il y a énormément de choses qui peuvent nous intéresser. Il faut être ouverte à cette société. Mais il ne faut pas oublier qu'on a une culture marocaine, qu'on la porte avec nous. Et il ne faut pas oublier les grandes valeurs de cette culture-là. Il faut les conjuguer avec ce que ce pays nous offre. Alors, bonjour. Mon nom est Neko Likongo. Je suis le responsable du Bureau des étudiants internationaux de l'Université de Montréal. Et vraiment, il nous a fait plaisir de participer à cette journée de communication au Centre culturel marocain pour un peu parler aux nouveaux étudiants marocains arrivés à Montréal. Nous, à l'Université de Montréal, on a 5300 étudiants internationaux, mais ce qu'on oublie quelquefois, c'est que le quatrième groupe le plus représenté au sein de cette population, ce sont les étudiants marocains qui arrivent en quatrième position du pays le plus représenté. Et le but que j'avais aujourd'hui, c'était vraiment d'entrer en contact avec eux, de leur dire qu'on est ravis qu'ils viennent à Montréal et à l'Université de Montréal, entre autres, parce que c'est un apport au-delà démographique, mais un apport au niveau de l'éducation, un apport au niveau également un apport au niveau de la culture, un apport économique également. Donc, pour toutes ces raisons, on est ravis de les avoir à Montréal. Et je suis venu parler également des services que le Bureau des étudiants internationaux leur offre. Donc, au niveau de règlement des dossiers d'immigration, mais aussi au niveau des activités d'intégration qu'on leur offre. Fatiha Chindad, professeure à la Faculté de médecine dentaire de l'Université Laval et vice-doyenne à la recherche et aux études supérieures. Ce soir, j'ai eu le plaisir et l'honneur de rencontrer de la fraîcheur, de rencontrer de la joie de vivre, de rencontrer la jeune relève marocaine. C'était une occasion vraiment exceptionnelle que le consulat du Maroc a organisée
pour faire une sorte de séance de connaissance avec les nouveaux étudiants, les nouveaux arrivants ici dans les universités québécoises. Et ce fut vraiment un plaisir pour moi de me mettre à leur disposition pour répondre à leurs questions, pour démystifier des choses peut-être à cause de ma grande expérience de plusieurs années ici. Donc c'était vraiment un événement à répéter parce que l'assistance était très contente. Les gens étaient heureux de réseauter, de connaître d'autres Marocains, des Marocains qui sont installés ici. Et les Marocains qui sont installés ici, ils ont vraiment exprimé un sentiment de paternalisme, tout le monde veut prendre en charge ses étudiants, tout le monde ici voit 20, 30 ans en arrière quand il est arrivé. Donc c'était très convivial, très chaleureux et ça fait chaud au cœur. Étudiante en maîtrise à l'Université de Montréal en études internationales, relations internationales. Franchement, je trouve ce genre d'événement très important, qui devrait faire ça même chaque année pour aider que ce soit les nouveaux arrivants ou bien même un peu des anciens étudiants comme moi, parce qu'on en apprend de tous les jours, que ce soit pour les bourses ou comment par exemple le dire à nos proches qui sont au Maroc, comment appliquer aussi. Ça nous permet aussi d'échanger nos expériences ici à travers entre nous, entre Marocains. Puis voilà, donc ce seraient les petits mots que j'ai à dire. Et c'est vraiment intéressant d'avoir des avis sur des professeurs ou tous les parcours, etc. Bonjour, je m'appelle Dounia Slaoui, j'étais étudiante à l'université de Moncton. J'ai fait un bachelor en psychologie. Cette année, je me suis installée à Montréal. Donc aujourd'hui j'ai eu l'opportunité de rencontrer beaucoup de personnes, des professeurs, une ministre, ils ont partagé avec nous leur expérience, donc c'était très intéressant. J'ai eu l'occasion aussi de rencontrer des étudiants qui font leurs études à Ottawa, à Québec, donc c'était très enrichissant et j'espère que j'aurai l'occasion d'assister à cette rencontre l'année prochaine et je vous encourage fortement à venir. Assalamu alaikum. أنا اسمتي ياسمين جيت من المغرب من الرباط وهذه السنة الأولى ديالي في مونريال في HEC بالضبط en année préparatoire. بغيت نشكر le consulat général du Royaume du Maroc pour cet événement. اللي يمكن une bonne partie de la diaspora marocaine étudiante هنا في مونريال باش تلاقاو pour pouvoir faire connaissance. وتنتمناو ما يكونش هذا هو آخر événement. Ici sont des universités semi-privées et il y a une compétition féroce entre les universités pour attirer le plus d'étudiants possible. Je m'appelle Doha Yaqout et je suis ici au Canada pour étudier du DESS en design d'événements. Donc j'ai eu une expérience d'études au Maroc, mais pour moi ça a été primordial de venir ici pour découvrir justement l'environnement québécois, mais aussi de ne jamais oublier d'où je viens, d'où le Maroc. Et d'ailleurs je remercie le consulat général du Maroc à Montréal de nous avoir permis d'arriver et nous réunir pour créer un événement
qui sera marquée pour moi parce que disons que ça fait vraiment plaisir de retrouver justement l'ambiance marocaine que l'on cherche tant. Oui, on est de l'autre côté de l'Atlantique, mais on n'oublie jamais d'où on vient. Je m'appelle Yusra Al-Alaoui Sossé, je viens d'arriver à Montréal il y a à peu près un mois et demi. Auparavant, j'étais aux États-Unis où j'ai fait deux bachelors, un en biologie et un en chimie, puis une maîtrise en business administration. Et puis, je viens récemment d'arriver à Montréal où je suis en train de faire une autre maîtrise en administration de la santé à l'Université de Montréal. Montréal, c'est vraiment très culturel, très diversifié. J'ai vraiment apprécié de voir les différentes cultures. Dans le métro, dans les rues, partout, je reconnais, j'entends du Libanais, du Marocain, de Latin, les gens de l'Amérique latine, des Américains. C'est vraiment très divers et très, très ouvert d'esprit. Je me sens vraiment chez moi. Je ne me sens pas comme quoi je suis perdue ou exclue ou quoi que ce soit. J'ai vraiment trouvé beaucoup de ressources pour m'aider et m'orienter dans mon parcours et je suis vraiment très très satisfaite d'être ici et je suis vraiment très heureuse d'avoir été ce soir à cette présentation en fait pour les étudiants. Ça m'a permis de rencontrer les nouveaux et puis les anciens et de me connecter à mon pays d'origine qui est le Maroc. On est là pour contribuer à ce que votre séjour ici au Québec et à Montréal se passe dans les meilleures conditions et que vous gardiez de bons souvenirs et sachez qu'on est fiers de vous et qu'on compte sur vous, comme a dit Madame la Consul, on compte sur vous pour être les hommes et les femmes du Maroc de demain, Inch'Allah, et vous êtes capables. Voilà, merci.